chose qui n'a pas échappé à Robbie Williams et il lui a donc proposé de venir s'installer avec lui dans un petit loft sympathique, de coucher à maman le soir. Ça, c'est l'album live de Pascal Obispo. Tout le monde le sait, les compositions de la comédie musicale Les Dix Commandements sont signées par Pascal Obispo. Pascal Obispo, ayant appris que Robbie Williams prenait 3 années sabbatiques de pause, donc Pascal Obispo s'est dit qu'il ferait bien pareil. Et donc, il a décidé d'arrêter de chanter. Pascal Obispo s'est dit, pourquoi je ne ferais pas la même chose que Robbie et prendre 3 ans de pause pendant 3 ans? Ah bien, ainsi dit, ainsi fait. Les médecins lui ont conseillé de prendre une bonne période de repos après une tournée éprouvante et surtout, surtout, une sérieuse gastro-entérite. Et oui, ça arrive même à Robbie d'avoir une bonne chance. On a plein de cadeaux pour vous, des DVD, des VHS, également des tapis de souris, des gobelets en plastique. Mais qu'est-ce que je fais? Je vends des bananes ou je fais une émission de télé, moi? La rubrique dance, la rubrique movie, la rubrique web, la rubrique sexy, la rubrique sport, la rubrique... Ça roule, moi, tu sais. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Ça va bien, tout va bien. Ouais, bon. Muchas gracias, tout comme ici, in nos studios. Non, on n'a pas compris, c'est normal, j'ai plus ma feuille. Bisous, hein? À bientôt, j'espère. Et à la prochaine fois, à demain, en fait. Megamix, la suite au programme L'Actu Groove. Ensuite, un rendez-vous avec Asia qui nous fera le plein de révélations. Mais là tout de suite, je ne sais plus.